Les gars, bonjour à tous, c'est XDitcher et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc les gars, j'ai deux trucs à dire. Donc le premier truc, c'est de rester à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire un truc important. Et là, deuxièmement les gars, vous avez bien vu que je suis en ligne. Et donc les gars, j'ai supprimé mon mode menu, désinstallé, parce que les gars, je me suis dit, si je fais des vidéos au mode menu, c'est surtout que ça sert à rien parce que en fait je fais que des tests et tout, de la grosse merde. Et en ligne les gars c'est mieux parce que je peux faire des travaux et tout les gars. Et des glitches et tout les gars. Pour aider. Et donc les gars, aujourd'hui je vais faire une tenue modée. Oh j'avais un combat les gars. Une tenue de combat un peu noir jaune. Et cette tenue va vous faire les gars. Donc déjà, vous devez vous rendre devant un magasin de vêtements. Et donc les gars, on va commencer la tenue. Donc les gars, pour commencer la tenue, vous allez dans les hauts. Dans les hauts, vous allez dans gilet de braquage. Vous allez prendre le dernier, le tout dernier. Après, ce que vous allez faire, restez dans les hauts. Vous allez dans blouson court. Non, déjà pour mettre le gilet de braquage, il faut y aller dans les blousons en cuir. Dans les blousons en cuir, vous allez mettre blouson de cuir noir ou vert. Une fois ceci fait, vous restez dans les hauts, vous allez dans blouson court cette fois. Après, vous descendez. Voilà, vous avez le gilet de braquage. Ce que vous allez faire, vous allez mettre ce haut là. Donc blouson à motif noir, le 16e, vous le mettez, vous faites qu'on enlève tout ce qu'on a sur nous, le parachute, le chapeau, voilà, donc on va faire ça, attendez, voilà, après les gars, vous allez dans les pantalons, les gars, vous allez prendre le dernier pantalon de braquage, donc celui-là. Après, vous allez dans les gants. Non, accessoires gants. Vous allez prendre les gants déboueurs. Après, vous allez dans les écharpes. Vous allez prendre une écharpe blanche. L'écharpe noire. Vous pouvez prendre les trois. Hein. Soit écharpe blanche, grise ou noire. Mais moi, je vous conseille la blanche, les gars. Parce que ça fait plus ressorti. Ce que vous allez faire. Vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement vide. Vous marquez ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que ça ait un rapport avec le combat ou la guerre, je sais pas moi. Et donc les gars, ce que vous allez faire après, vous allez vous rendre à votre appartement. Et donc les gars, on se retrouve tout de suite à notre appartement. Voilà les gars, donc on se retrouve. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous rendez à votre appartement. Donc, ce que vous allez faire, les gars, vous allez dans votre appartement. Donc, vous attendez. Là, ça charge. Donc les gars, une fois dans votre appartement, vous vous rendez dans votre cabine, donc votre garde-robe. Vous allez dans tenue, tenue braquage combinaison. Vous allez prendre, vous allez prendre une tenue avec le masque à gaz. Et donc, ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre à la longue vue ou soit le glitch du lit. Donc c'est pareil les gars, c'est pareil, il n'y a pas de contraire. Soit le glitch du lit ou soit le glitch de la longue vue, mais les étapes c'est pareil. Vous allez dans, vous sortez votre téléphone, vous allez dans activité rapide, vous allez faire jouer une course seul, vraiment. Vous ressortez votre téléphone, vous allez dans liste d'activités. Il faut avoir une mission de Lamar, Gérald ou soit Simone, n'importe lesquels.
Et ces trois-là, mais faites pas Martin parce qu'après, si vous requittez la mission, bah vous allez spawn bah, un endroit. Donc après les gars, vous lancez le message de Gérard, Lamar ou Simone. Et donc ce que vous devez faire les gars, c'est de spammer la flèche qui vous demande pour y aller à la longue vue. Donc moi je vais juste profiter, voilà. Vous quittez. Vous sortez votre menu inventaire, accessoires. Vous mettez la tenue qu'on a sauvegardée. Vous êtes sérieuse là? Donc moi c'est celle-là. Ce que vous allez faire, vous allez mettre le casque par balle noire. Vous allez mettre les fumées noires et vert. Donc les lunettes fumées noires et vert. Vous quittez votre menu inventaire et vous faites flèche de droite pour quitter. Et voilà les gars, on a le masque à gaz avec le casque, les lunettes. Et donc les gars, vous sauvegardez la tenue. Voilà. Donc moi c'est là. Voilà. Je vais juste la renommer. Et donc les gars, il y a une dernière étape. Donc ceux qui n'ont pas le sac de braquage, bah, je suis désolé les gars. Mais ceux qui l'ont, bah, vous allez mettre une tenue avec le sac de braquage. Donc je répète. Parce que ceux qui n'ont pas le sac de braquage, je suis désolé, vous pouvez faire sans sac de braquage. Parce que dans les commentaires, venez pas me dire que machin critique t'as pas le sac de braquage. C'est pas de ma faute les gars. Donc vous sortez de votre appartement. Voilà. Donc une fois sorti de votre appartement, ce que vous allez faire. Vous allez sortir votre téléphone, vous allez dans les contacts, vous allez appeler Mariator. Non, vous attendez. Voilà. Une fois appelé Mariator, vous faites ramassage en hélicoptère. Donc, y a tout le monde qui connaît presque ce glitch. Mais je le dis, s'il y en a qui ne le connaissent pas, mais il est presque connu ce glitch. Ce que vous allez faire, vous allez sortir une arme, n'importe laquelle, mais pas une arme, pas un gun. Ouais, ce gun là, et voilà, n'importe quelle arme, les gars. Moi, je vous conseille le sniper. Voilà, le sniper. Donc, ce que vous allez faire, donc, désolé pour le bruit derrière, donc, vous attendez l'hélicoptère. Donc moi perso je ne peux pas fermer. Donc ce que vous faites, vous prenez votre sniper, vous visez le monsieur, vous le tirez sur la tête, voilà. Et donc vous montez vite. Donc si vous avez. Oh putain il fout. Donc si vous avez les cœurs, voilà, comme moi, bah vous appelez les stars avant de faire le glitch. Parce que sinon, vous pourrez ne pas sauvegarder la tenue. Voilà, moi c'est fait. Donc ce que vous faites, vous prenez de la hauteur. Et une fois en haut, vous freinez. Vous sautez de l'hélicoptère. Donc ce que vous faites, vous sortez votre parachute. Et une fois sorti son parachute, vous ouvrez votre menu inventaire. Vous faites inventaire, accessoire. Et vous vous mettez sur la tenue qu'on vient de sauvegarder. Donc moi c'est combat 2. Et donc les gars, donc vous attendez que votre perso ratterrisse, enfin atterrit au sol, bien sûr près d'un magasin. Et une fois qu'il enlève son parachute, quand il commence, vous appuyez sur la tenue et voilà, on a le sac de braquage. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une fois qu'il commence à enlever son parachute les gars, vous appuyez sur la tenue. Et ce que vous faites, bah c'est tout simplement facile. Vous allez au magasin de vêtements, voilà, tenue, et vous sauvegardez la tenue. Pas compliqué. Et donc les gars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo,
Donc c'est la fin de la vidéo, mais je dois vous dire un truc. Donc les gars, donc ce truc, donc bah vous savez les gars, je fais des vidéos sans montrer la tête. Et donc les gars, donc en fait si vous voulez, vous voyez les masques. Bah peut-être les gars, j'ai bien dit normalement, bah je vais m'acheter un masque et tout. Comme ça je vais le mettre. Et puis bah si les gars, j'ai bien dit normalement, si j'ai le masque, bah je ferai des vidéos avec un masque. Genre vous allez voir mon visage mais avec un masque masqué les gars. Donc les gars, si je fais des vidéos, parce que les gars c'est mieux de faire des vidéos avec la tête masquée que des vidéos sans masquer. Donc j'ai bien dit normalement les gars. Et si bah j'ai pas, bah les gars j'ai pas, tant pis hein. J'ai bien dit normalement les gars. Donc si vous préférez que je fasse des vidéos masquées, bah vous nous dites en commentaire non ou oui. Et si vous voulez pas, bah vous dites non. Mais moi les gars, il y a tout le monde qui va dire non. Donc les gars, donc on est déjà à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si la tenue vous plaît. Abonnez-vous en masse les gars, parce que ça ferait plaisir. On est déjà aux 76 abonnés. Et donc les gars, donc faites-moi atteindre les 100 abonnés les gars, ça ferait extrêmement plaisir d'avoir les 100 abonnés les gars. Ça ferait chaud au cœur. Et donc les gars aussi, partagez la vidéo en masse. Voilà les gars. Donc c'était Xen Witcher. On se retrouve demain. Et c'était bye tout le monde.